je dois l'aider. Ne vous avisez pas de lever le doigt sur eux. Je n'ai pas peur de vous. Revenez. Reconnaissante d'avoir sauvé mon cher enfant. C'est Zadona qu'il faut remercier. Sans lui, je n'aurais rien pu faire. C'est le fond. Hé, Monty, je suis si contente de te revoir. Tu es aussi beau que dans mes souvenirs. Alors, prends bien soin de toi. Ok, je dois partir maintenant. Au revoir, les amis. Content de vous avoir vus. Bonne chance, vous deux! Tu as vu comme ce jeune homme est plein de courage et de compassion? Il a risqué sa vie pour nous sauver des loups. J'aimerais pouvoir lui rendre l'appareil. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais nous devons l'aider. Oui, maman! Oui, il faut l'aider tout de suite! S'il te plaît! Je veux pas qu'il lui arrive quelque chose, s'il te plaît, maman! Oui, mon enfant, tu as raison. On ne peut pas le laisser seul. C'est trop dangereux là-bas pour quelqu'un qui ne connaît pas sa route. C'est la chose à faire. Tu ne penses pas, mon cher mari ? Bien sûr, on devrait vraiment les aider. Et je sais comment. J'en suis sûre. Allez, on y va ! L'âge d'or. Attends, mon enfant. Qu'on va faire maintenant? Ils sont peut-être en danger. Oui, mais ne te précipite pas. Tu dois toujours rester près de ta mère. Tu dois me le promettre, quoi qu'il arrive. Promets, papa. Et maintenant, allons-y. Nous savons où est parti Zadona. Ils l'ont vu se diriger vers la montagne avec Dove. Et il avait une hache sur l'épaule. Qu'est-ce que tu dis, Ming? Alors il est en danger? Il a dû entendre notre conversation. Le courage de ce garçon va finir par lui nuire. Alors que faire? C'était il y a une nuit déjà. Et il fait tellement froid tout en haut. Pauvre garçon. Il est toujours prêt à aider les autres sans penser à sa propre sécurité.
Je ne supporte pas l'idée de le savoir dans le froid, s'avançant dans la neige. Zadona, tu n'aurais pas dû t'occuper de nos problèmes. Tu es encore trop jeune. J'aurais dû y aller moi-même. Il faut avoir confiance en Zadona. C'est un garçon malin. Je suis sûr qu'il saura quoi faire en cas de danger. Avec mes pauvres pattes. Que vais-je faire? Je peux pas le sortir de là. Zadona, réveille-toi, je t'en prie. Zadona, ne te résigne jamais à la défaite. Même dans la pire situation, tu peux toujours y arriver. Sois fort. Courage. Sois brave. Est de retour. Oh. Quel jour de chance pour nous tous!
Qui aurait pensé que Zadona c'est aurait incroyable, trouvé le diamant. Doyen. Extraordinaire. J'ai extrait tous les diamants des rochers, ils sont tous là. Nous tenons ici la solution à nos problèmes. Et tout ça grâce au jeune et courageux oui, Zadona. Oui, c'est un vrai héros. Oh. À genoux, en honneur du père de notre héros. Non, je vous en prie, n'en faites rien. Levez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai rien fait pour mériter ça. D'avoir trouvé ces diamants rendra la dignité à notre peuple. Et il est normal que votre fils reçoive du respect et des non, récompenses. Nous ne voulons rien de tout ça. Je suis heureux de la sérénité de mon peuple et ça me suffit amplement. Même tes mots te font honneur, nobody. Qu'ils soient une leçon et une source de sagesse, nous pourrons y tirer notre force. Oh. Père oh. Père! Zadona! Père, je suis tellement content! Père, je suis tellement content de te voir. Mon fils, tu vas bien. Ah, j'ai eu tellement peur de t'avoir perdu. Mais tu es revenu. Et par ton courage, tu nous as tous sauvés. Je suis si fier. Père, te sentiras-tu assez bien pour qu'on aille au lac? Il y a tellement de choses que tu dois m'apprendre sur la pêche. Je me sens mieux, mon enfant. Bien mieux. Et j'ai hâte de pouvoir t'apprendre de nombreuses choses, Zadona. Ouais, père! Au fond de la vallée sereine, ce village trouva la solution au temps difficile, grâce au courage et la compassion du jeune Zadona. La chance leur avait souri, et cela continua pour encore de longues années.